Quand je parle de Saint-Louis, c'est le cœur qui part. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand je vois parfois certains bâtiments qui sont en état de dévaporation, de dégradation très avancée, ça me fait mal au cœur. Parce que vous savez, Saint-Louis, le nom indigène de Saint-Louis, c'est Ndar. Et c'est la seule ville au Sénégal, quand on parle de ce nom, on dit Domondar, c'est-à-dire le fils de Saint-Louis. On peut dire le Dakarois, le Thiessois, le Kawakois, mais Saint-Louis, on dit le fils de Saint-Louis. Donc, comme vous voyez que nous, on s'approprie à notre ville qui nous est très chère. Une ville historique qui a marqué l'histoire coloniale en Afrique occidentale française. Parce que vous savez que ce sont d'abord les Portugais qui ont eu à s'installer en 1445, un peu au sud de l'embouchure du fleuve Sénégal. Depuis, Saint-Louis est devenu vraiment, grâce à sa position stratégique, une tête de pont vraiment du commerce qui s'est passé dans l'intérieur des terres, parce qu'il y avait le fleuve Sénégal, et si vous savez bien, qui prend sa source déjà depuis donc la Guinée. Et donc, c'est des kilomètres vraiment de fleuve qui permettaient d'installer des escales pour le commerce tout au long donc de cette vallée du fleuve Sénégal. Ainsi donc, on a eu l'occupation anglaise. Parce que vous savez, les Anglais, ils ont occupé Saint-Louis trois fois. D'abord en 1693, c'était pour quelques mois. Ensuite, en 1758, une période plus longue qui a duré plus de 20 ans. Et la dernière occupation anglaise, c'est en 1809. Et c'est seulement en 1816 que les Français ont repris Saint-Louis avec le gouverneur Chemars. C'est lui, d'ailleurs, qui avait fait le naufrage, le radeau de la Méduse. Je pense que vous avez vu le tableau que Géricault a fait, un excellent tableau. Il faut dire après que plus tard, hein, donc avec donc l'arrivée du gouverneur Federbe et donc le début de la colonisation, Saint-Louis va être une tête de pont de la pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest. Federbe, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire coloniale en Afrique occidentale française, mais surtout Saint-Louis du Sénégal. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup de sites, beaucoup de monuments historiques portent le nom de ce gouverneur Federbe. Et vous avez vu le pont Federbe, la passe Federbe, le fort Federbe. Et donc tous ces bâtiments historiques qui portent d'ailleurs le nom de ce gouverneur. Je crois noter plusieurs inondations dans le temps dans la ville de Saint-Louis. Mais je pense que les ponts aussi, à un moment donné, ont été un besoin stratégique de développer le commerce dans la ville de Saint-Louis où voilà, il fallait à chaque fois traverser avec des bateaux, avec des chargements très lourds. Et à un moment donné, c'était une nécessité donc commerciale que d'installer des ponts et pour faciliter un peu la circulation. Les inondations, on a été confronté à ces inondations encore il n'y a pas longtemps, dans les années 2000, en 1994, entre autres. Et ça, c'est dû à des phénomènes d'ensablement du fleuve. C'est le barrage de Diama, donc qui on est obligé à chaque fois d'ouvrir parce qu'il y a trop de pression. Je crois qu'il y a en 2004-2005, ils ont essayé de régler le problème en mettant la brèche donc, qui a été ouverte sur la langue de Barbarie pour permettre d'évacuer plus facilement les eaux en mer avec toutes les conséquences que voilà, ça a impliqué plus tard. Moi j'anime une émission.
tous les jours de 12h30 à 13h30, à l'exception du vendredi et du dimanche. C'est une émission melting pot, on y traite du tout, et en interactivité avec les auditeurs. Hein, ça marche très fort. C'est une émission presque qui gère la ville de Saint-Louis. Alors, quand j'ai eu l'information, j'ai commencé, je crois, 4 ou 5 jours avant, la date annoncée pour l'ouverture de la dite brèche, à attirer l'attention des uns et des autres, comme quoi que je sentais le roussi. Et simplement parce que, en bon musulman, de tous les temps, depuis la création de Saint-Louis, il y avait une brèche que Dieu avait installé entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Parce que de 1950 à cette date, mais Saint-Louis a connu des périodes hivernales extraordinaires. Mais la ville n'a jamais été étonnée, quand bien même que Saint-Louis est fille du fleuve, parce que traversé par le fleuve Sénégal et de l'autre côté de la langue de Barbarie avec l'océan Atlantique. J'en ai parlé. J'ai demandé aux gens, aux responsables, aux spécialistes, aux scientifiques, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je sentais le danger. Je leur demandais de prendre que ceux qui avaient le pouvoir de s'adresser au pouvoir, de prendre le contact du pouvoir pour attirer leur attention. Ça pouvait être dangereux pour la ville de Saint-Louis, pour le département. Et vous voyez, toute cette bande de sable habitée par des Filaos, c'est ça qu'on appelait la langue de Barbarie. Pourquoi langue de Barbarie? Parce qu'autant il y avait des arbres qu'on appelait le figuier de Barbarie. Et d'autres informations qui nous disaient que ce sont des Berbères, pendant la période de la colonisation, qui ont basé sur la région de Saint-Louis, entre la frontière, le Sénégal et la Mauritanie. Vous avez vu qu'ici, tout ça, c'était une bande de terre qui se trouvait entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Et maintenant, vous avez vu qu'en 2003, il y avait des inondations à la ville de Saint-Louis. Et le gouvernement sénégalais a demandé qu'on évacue cette eau le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, on n'a pas fait des études. C'est selon aller à côté de l'hydrobase, on a creusé un canal avec 4 mètres de large. J'en ai parlé 2 jours, 3 jours, 4 jours. Personne n'a réagi. Et le jour J, l'événement a eu lieu tardivement dans la nuit. Je crois qu'il y a eu des hommes de l'armée, des spécialistes venus je ne sais d'où. À partir de 0h, ils ont commencé à faire leur brèche pour 4 mètres. Après, plus personne n'en a parlé. Vous voyez là la brèche, qu'il était là. En 2003, on a ouvert la brèche après le village d'Unbabegueye. Après 10 ans, il y avait une autre embouchure naturellement ouverte devant moi. Le 12 novembre 2012, il était ouvert là-bas. Donc le mois, j'étais là-bas, témoin, que voir la brasse, le lot qui passe. Après, je retourne dans le village, j'ai appelé le président communautaire et le conservateur de parc national sur la langue de Barbarie. Je l'ai expliqué. Après 15 heures, les autorités y sont venues. C'est moi qui l'ai amené avec ma pirogue jusqu'à là-bas, le niveau de l'embouchure qu'il a ouvert. Pour le moment, là, le début, tu marchais, tu quittais ici jusqu'à Saint-Louis. Avant, le presse, il était là-bas. Le niveau de l'embouchure, il était au bout de la fleuve. Mais dans l'heure actuelle, le niveau presse qui sont là, le ancien, il a complètement bouché. Donc, on ne peut pas aller à Saint-Louis sur la langue de Barbarie. Donc, le reste de la langue de Barbarie, ça reste 17 km dans l'heure actuelle. L'avenir étant le meilleur juge, laissons le temps au temps. Et fort heureusement, quelques années après, on a commencé à voir des élargissements. Les 4 mètres s'élargissaient pour devenir 6 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres. C'est maintenant des kilomètres.
Donc ici à Gandjol, c'est 36 villages et plus 6 hameaux. Donc tous les villages, ils sont peur qu'ils commencent à disparaître. Il y avait deux villages au bord du fleuve, ils sont disparus. Dounbaba Dieye et Kir Bernard, ils sont disparus. Donc, si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le pays de Dounbaba Dieye. Ce que vous voyez, c'est que les gens sont dans la terre. Ce qui est là, parce qu'il y a des centaines de quelques pirogues qui sont dans le pays. Ici, Marigo Lou Bunga Khamni, c'est ce qu'on appelle Marigo Djelambam. Légi mom ay temps dafa amone profondeur 12 mètres 12 mètres mo amone ay crocodile yu fi dekkone ak poisson ya xamné fi lañ dan djuré difi néné mais bi nga xamné ni bress bi ñewna comme bi bress bi ñewé comme dindi nga xamné mom la doon toj diko pousse ak coron bu baré bi ak ndox mu baré bi ñew mari haute bi mu sekkak ba légui profondeur presque 50 cm la tollu légui bo xolé mi ci mari haute bi mais gis nga wat bi ni légui Maintenant, c'est un peu de souffle. Parce que maintenant, la marée haute est arrivée à 1 mètre. Quand la marée basse est arrivée, elle va regarder. Elle va regarder si tu peux venir avec ta tank. Fini nek ni moy place bi nga xamanteni bi fi la île Dounbaba Dieye commencé légui ci li ngay seen ni mom moy bop île légui mu continuer li moy côté sud bi côté bi moy côté nord bi légui fi ci côté nord bi ni à 5 km ci kanam ci île bi la bok fini nek ni nak yataay bi nekkone lu mat ay 500 mètres mais bi presse bi ñëwé réso côté moko lek bam wañé ko ni mu don dekk bu nga xamni dekk histoire la parce que patrimoine mondial la liko waral moy portugais fi lañu jëk jaar ci Sénégal après portugais allemand après allemand français allemand commandant montel mo leen jité won français Thomas Lambert mom mo leen jité won ñu nek fi dund dekk bi nak dekk bo amone comme ressource la won dañu dan liguey 24 heures sur 24 dañu dan nepp guddigi beccëk bi ñu def maraîchage mais yalla def na bi presse bi ñëwé 2003 presse bi ñëw xoram bi yek lek yaq mbay mi geej gi ñëw jaxass ak flow bi daanel kër yi parce que presse bi dañ ko bëttone 100 étude ñun yeguñu ko fenn mu ñew daanel kër yi amatuñu liñu liggéey amatuñu dara de kër ya ñu sama papa wax man nak nima légui ñun nañu man def dañuy génn mais ci biir génn bi ñun sen village dañuy xaar ba population bi génn ñun ñu soga génn mais yalla def dekk bi 2010 lañu commencé génn di dem ci yeneen dekk yi mais kenn génnewuñu ko dul suñu bop
légui nak man fi wax deug yalla bima fi dekké ba légui dekk ciossane la dekk bu yag ci ressource la dekk bu nga xamni digënté geejji ak dex gi matul won dara baykat yi diñu fi daan bay carotte di fi bay nawé di fi bay supamé di fi bay betterave mo du légui bu ne daan na fi genn mais légui nak à cause de la presque dem bi wañiku na bu lol ndax dañu fi daan am ay law ay tonon ay yépp légui nak yoy yépp dafa wañiku ah fi nak mom dekk la bu nga xamanteni dekk mol la bu jëk bobu dañ daan wir dem di nappi légui nak galu moteur yi mo fi nek mu ngi nek galu moteur yi fi ñuy légui ñu am ay machine di nappi di ñew ma xey 6h du matin ci lay dem geej and ak sama ben rak liggey bi day metti ci man ak mom ndax amunu doole ju ñu jappalé bu ñu demé ci geej bi ñuy té mbali tambali xëcë mbali yeen sa daan dem geej bi ñu duñu sax jaay lu mat ay 6 kilo poisson wala 100 départ dal ma nga dem geej bi ñu bo démé do fa jappal ra nga fekk mbali xeer bi yaq leen wala gis ay gal yaq say matériel ñu bari dem na génn dëkk bi dem liggéey li tax ñu liggéey mooy dem nañ ci àll li liggéey ñii bàyyi nañu mool nekk chauffeur ñii bàyyi nañu mool nekk maçon ñii bàyyi nañu mool nekk plombier ñii bàyyi nañu mool nekk menuisier en tout cas ñu bari bàyyi nañu mool nekk beneen ouvrier léegi nag mool gi metti ni metti koo xamante ni il faut nga am ku la jàppale xale yi si gannaaw bu fekkee ne ñun li ñu son li ñu daj si mool gi mënu si dajee léegi ñoom kon matériel bi xam naa day mujj paralysé la judd léegi bu après bu amee bay fukki at ak juróom laa commencé di jàng pêche légi ma nek ci dex gi nek ci ganna gi ma dem ci geej li ci def ñu jaay ko légi nak gannaaw gi ñu démé dem ba gannaaw gi ma magé légi retraité na légi nak damay tok ni rek gaay démé bu ñëwé yëkati jënd ma may muy ci lay dundé Et avant ici, c'était une quai de pêche. Tous les bateaux ou bien les pirogues, les grandes pirogues, ils revenaient ici pour décharger le poisson. Et il y avait des vendeurs qui venaient ici pour acheter du poisson ou bien avec les bateaux qui venaient ici débarquer les marchandises. Et il y a les voitures qui les prenaient pour aller à Saint-Louis. Ombrine bi nga bëgg waaw légui ñaata nga bëgg ñaar ñi doyna ñaar ñi doyna waaw légui def naa ci 3000 ndaw na baax na def naa 3000 waaw yow li mo yow tax ma jaay la ka de waaw
Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Nit ñi sax xamnañu ni fi mu né ressource bi wañu ko na lu bare. Il est fatigué parce qu'il n'y a pas de travail. Son fils est décédé à la mer. Il est fatigué. Voilà, il sonne non trop. Je suis venu à la maison. 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 Je suis ven
Cheikh Diène mën nañ wax ni moy plat Sénégal national presque dal mo ko li ñu fay utiliser ala sanima mëna yalla tudde Cheikh Diène la leen di préparer fi sunu village bi Gandjor tasneer damay rax ci ndé tek dal def dem di tang bagn bi nga xamni suñu mam yi mënon doon bagn bobu ci fann yupp la waye rawati nak ci walu diine gi mom tolu won nañ ci fo xamanteni danaka bëgguñu ku fell seen diine ku bëgguñu ku ci lal len té nak ñom biñu ñëwé tuba bi dañ ñëw ñom ak seen diine itam ñëw bëgg imposer ñi nga xamanteni ñom ñofi nekkon ñu bëgg len imposer seen diine waye bagn bo nga xamni suñu mam yi mom lañ doon bagn résistance bobu mom mo tax sax d'ailleurs ba fini tollu ni man nga wax ni ci dekk bi yop mëno fi génné ben buntu kër bo xamanteni waaw dekk bi naka jekk dekkou napkal la suñu mam yi biñu joggé aji lañu joggé manam top boru geejgi di ñew mais lepp seen dund yop ci nap lañ ko def biñ ñëw ba installé fi itam ci nap lañ doon dund ci nap lañu mësa dund té dund ci nap bay ñun ñi fi ñu toll ni légui loolu moy li continuer attachement bobu ñu am ci walu nap gi mom mo tax ba fi ñu nekk ni mënunu ko soré malgré que xam nañ ni geej gi mi ngi avancer mi ngi ñëw mi ngi def parfois mu am ay yax yu mu def wayé dafa nek nap gi légui dafa nek économie bo xamanteni danaka bëgguñu mu gën suñu lox parce que ñun ñokay pratiquer ñun ñoy nap ñoy dem delu ci suñu ay jigen di ci jariñu suñu ay dom di ci jariñu suñu ay wajur di ci jariñu té légui xamna ni buñu ko toxalé dem fenen non lay démé fenen ñoñu ñom ñokay jariñu lu wër la effectivement proposer nañ ñu ay solutions deuxième quartier fenen fudul fi jall dakh gi dem boru gandong proposer nañ ñu yu bari proposer nañ ko waye comme li ma wax ni légui manam suñu liggéeyukaay bi lañu bëggul sori parce que suñu gal yi ñu ci bir geej gi suñu ay njabot ñu ci bir geej lañu fanan su fekkenteene dañ leen soré buñ leen soré lu am té geej gi dafa nek geej gu deuguer geej gu goor lañ koy wax dafa bare ay danger yu mu def ñun buñu soré jé bayyi suñu matériel ak suñu njabot bayyi leen ci bir geej gi lu xew balañ koy yegg dafa day yag té fi danger bu fi am wa dëkk bi ñom ñoy sen sapeur pompier bop pratiquement ñi xéena sax ñoy sen policier bop ñoy sauver ñoy def lepp ñom ñokay defal sen bop xeyna yenen force yi militaire ak yi sapeur ak yoy après lañu ñew mais en général lepp lu fi am ñom ñokay régler sen bop après ñeneen soga ñew kon loolu mo motax bay dana jafé ci ñom lool ñu bayyi fi sen liggéey bi bayyi fi sen njabot gi soré len soré way bo xamanteni xeyna duñ len xamal lu bari loolu mo motax bay vraiment attachement bi ñu am fi suñu dëkk bi bëgg itam ku ñuy jappalé nga jappalé ñu ci arc parce que vraiment amna ben mur bo xamanteni amna fi près de 100 et quelques années bo xamanteni mi ngi fi té mur bobu mom mo doxone digënté geej gi ak dëkk way yi yag fi lool baax fi lool
hein légui nak mi ngi commencé yakku deug deug liñu gëna bëgg ñun moy mur bobu ñu réhabiliter ko ba nga xamanteni da nañu ar ci geej gi lool dal moñu gënal ñuy jëm déplacer. Ciossane sunu ay yaay diga liggéey du ciossane te ñun doomi ni ñew diga liggéey du ciossane sunu ay doomi it ñew wa diga liggéey mu du ciossane ci gendar di soppi jeen ñu ka wax soppi jeen mu di jéjjabi mu di tamba jeng bi ciossane la bo xamni ciossane la won bu yagg ay doon ñu ka doon ba legi di metti ba xamni muy te metti no soppi jeen wi diga jéjjeni ak diga tamba jeng. Bo gisé bu jëkka ñu do liggéey ay individuel kenn ku ne boba xam nañ liggéey bi ci lañu sukkandiko ci lañu juddoo ci lañu yoro ci lañu mbagge ci lañu dundab ci lu sunu ay waju dunda wante xamnu won ni individuel kasse dañ la jox avancement individuel bi ñu xolé ni individuel kasse andil avancement mo waral ñi nek ak genda rek ñi nek fanen ñep kenn ku ci am ci sey bo xamni da nga tuddi sa groupement bo xamni groupement bobu mbolo ma sa bok dana tax nit ñi am doole mais dana tax kenn ku ne ñu xamni yu ya ngey liggey ci bir mbolo mu neexal ceeb wala nga bëgg togg jeejje bi kasse ak sa lujum kasse mu nekk ceeb jeejji yeen saay nga tollu jeen jafé wala jeen manké nga jël jeen jeejje ba mu remplacer jeen wa budé ceeccax bé li jeen bi men man naka budé tamba jang bi li jeen bu toy bi man naka mu di ciosan bo xamni sa sonu mami ba légui mo lañu jëfëndiko mu nek nak metti bo xamni metti bu am solo la bang deuk njabel yebal ganjou fi lay rosé da nga def ci dakh gi di la way leg demul fu dakh ndax parce que dakh gi amatul ndox dañ amatul ndox legi ma ci toy rek di liggey ñeen gañu la deug ma mo saw la tuddo legi tutul du xey jabe di ñew fi di xey di wacc ñi njabe ñu dëkk doon nap mais gis nga dem fa dem ba dakh gi amutul jeun motax ñu obligé wu ñëw fi buntu ndur commencé wut fi sen ay tol and ak sen ay surga di liggéey daan sen dool rek nak mo leen taxa jog ak lu jeun sen njabot dimbali sen ay wajur vraiment ñu nek ay nit yu xamné jambar lañu ko parce que ay 6 heures du matin dañuy jog pour ñeu fi nangu jëg ban jaben ak fi presque matna 7 km la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah sora dama joggé dakar ñewon dar don fi bay ay tol fi ni len nek buntu ndur yoron fi ay tolé soplé fajar lañu yew nak bala ñoo yew ñu ngi yew 6 heures du matin buñu yew paré dañuy tek ataay comme ni buñu tégué ataay ni soga jall ci ligéy bi
ay côté 9h 10h ci lañu sogo ñëwé ndek donc mu jurool ñu ben saaru ndol sansé xat suñu comportement ba donc mag ñi nga xamni li ñu xamone modi mbay ñom daf leen def ben saaru fièvre xol ba donc ba ñaar amna sax ñu ci jotté décédé amna ñu fi nek ba légui dunda mais dañuy wéré di tékati ñu dara parce que dañ daan xey suba dem ci tol bi yëngatu seen yaram saaru sport amatu ñu ñu commencé fièvre parce que ku nga xamni juddu nga 1922 continue de dunda ba presque ay 2005 80 ba 2003 ñu xey la nga doon liggéey ñu arrêté ka dafa am lu mu fañ wané ci sa yaram Même dans l'heure actuelle, les amis qui font la culture derrière le village, ils commencent à amener des problèmes parce que la nappe de l'eau salée, ça monte. Donc dans l'époque, ici, dans la langue de Barbarie, on fait la culture ici, comme des moulons, des patates douces, des choux et beaucoup d'espèces de légumes. Même moi, mon oncle et mon père, avant, ils sont descendus ici, dans leur honnêteté. Mais tout ça commence à disparaître. Bu mag bi ñong ko def robage bi ñong ko def 2010 bu ndaw bi ñong ko def 2015 ñong ko def 2015 mais bi ngeen di seen bu mag bi mom fi lañ ko fekk parce que plus de 200 300 mi ngi fi parce que mbanguro dundam dafa mëna yagg dundam mëna dund ba ay juroomi téméré at ba juroom ben téméré at daf koy dund parce que lu ko waral mo di reeni mo mëna bari reeni day bari motax mu am fu japp deugar mu dund ak aussi mom li ko may lolou day dund ci bir ndox mu am xorom mais reeni dañuy jël ndox bi filtré ko mu nek ndox bu neex ñu dundé ko lolou tam mom mu mën dund bu yagg légui nak mangrom bi li tax mo am solo biñ ñi nga fi défé gis nañ ni espèce yi jeun bu ñu wax carpe disparaiton na fi parce que fi carpe da fi disparaiton depuis 2003 bi ñu bëtté bress bi dafa bette carpe yi yëlëp genn dugg ci geej gi yaqku ji ay centaines de mille tonnes di genn fi joge fi dem ba ay Dakar ci geej gi di yaqku parce que mënu fa dund bi mu bëgg dund daf leen bette parce que ay carpe l'eau douce la won mu bette leen genn leen yobul leen ci xorom bi mu disparaître légui bo gisé picci yi nga xamni mo fi yokku wat ci jamono bi nga xamni ñoo ngi def reboisement bi bi ci la bok mais manu gonu fexé ba xam ban picci la parce que goudigi moy li ngeen di wax la nuit ñom la fi ñew lañ fi ñew pour finance mais après bala bi su fekke ñom dañuy débat ba tay motax ñu gis né mangoro yi ndaw yi amna picci bu koy lek mais xamagunu ban picci la ci lool li ko indi moy mangoro bu ndaw biñ fi def bala xop bi di deugar ñu ñew diga lool mo leen fi indi parce que amuñu ko won parce que ay mangoro yu mak rek ñoo fi nek kon reboisement bi yokkar na fi ay picci par rapport ak limu yok ci ay espèces En cette période, on remarque sur les effets sur l'écologie des oiseaux. Avant, on voyait beaucoup de fréquentation des oiseaux sur la langue de Barbarie, mais avec la brèche qui a détruit un peu l'écosystème, il y a certains oiseaux aussi qui sont disparus. Donc dans l'heure actuelle, le village, il y a des vieux seulement qui sont dans le village et les petits-enfants. C'est pourquoi on ne peut pas, les pêcheurs ne sont pas restés ici pour faire la pêche.
légui nak ñoo ñofi nekkon dal wax deug yalla doon liggéey dekk bi nak dekkum mol rek la fi instant bi sax presque fekkul len fi kenn ndax mo li dem nañu modou tani dañuy nap fofu dañu fa am ay 6 mois 7 mois delu ci wat fi ci ngeen fi delu ci waté boru tabaski mo lepp duñu yibi ci fi nek ëpp na ñaat téméri gaat Combien de missions sont venues pour étudier, pour voir, pour filmer, tenir des conférences, faire des points de presse. Mais jusqu'à présent, la brèche est là, qui s'agrandit et qui nous porte préjudice. Déjà, il y a plus de 230, voire 240 victimes quand les pêcheurs quittent l'océan Atlantique pour revenir vers le fleuve Sénégal. 2005, je nañu moytu bress bi parce que buñ ci commencé dugg dañu indi ay accident té bu indi accident ni ci mën nañ ci faatu donc bobata amna ñu ko wéddi mais yalla def 2005 mois de janvier accident yi ci am ci année bobu 16 morts ñoo ci mort 16 morts ci mois de janvier bi ba fin mois de janvier parce que 22 morts Et en plus, il y a beaucoup de cas d'accidents, hein, parce qu'on a une famille ici, à Pilote Bar, là, il y a un de mes cousins qui s'est parti. Il y a un nombre de 15 personnes dans une même famille, tous ils ont disparu dans la mer. C'est pourquoi vers les années 2006 aussi, il y a une nouvelle génération qui se porte parce qu'ils n'ont pas eu de travail, qui sont portés volontaires pour aller se migrer vers l'Europe en Espagne. Et pour cela, ils ont pris les grandes pirogues là avec 100 personnes d'effectifs. Ils vont passer par la mer entre la Maroc et Mauritanie et aller jusqu'à les îles du Canary. Et ça fait un nombre de jours, de 8 jours. Ceux qui ont un code de GPS, ceux qui se trouvent à 8 jours près, ou bien il y a certains qui ont déjà fait 15 jours pour y arriver. Mais quand même, c'est bien parce qu'il y a certains maintenant qui sont des papiers légaux et qui commencent à retourner au village et qui commencent à faire des activités de développement pour aider un peu leurs parents. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-fils, ce sont nos neveux, ce sont notre potentiel humain en matière de pêche. Et je ne crois pas que, présentement, l'homme peut stabiliser cette brèche. Et si cela devait se faire, c'est un coût de milliards extraordinaire pour un pays en développement. On a d'autres priorités. Si cela n'avait pas été fait, ces milliards que l'on envisage de trouver, je ne sais où et par quel manque pour stabiliser cette brèche, pouvaient servir à créer des emplois, à aider à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à atteindre notre suffisance alimentaire. Mais pour des raisons que l'on ne comprend pas, ces gens-là ont pensé qu'ils faisaient une bonne chose, alors que ceux qui les ont précédés, ils n'ont pas été les plus intelligents, ils n'ont pas eu de meilleure formation, ils n'ont pas eu de diplôme que ces éléments n'ont pas eu. Mais aujourd'hui, puisque hier est moins que demain, le danger est là, permanent. Et c'est malheureux. Avant, il y a beaucoup de l'eau douce qui pousse dans le sable. Si tu ne vas pas par à la pêche, tu pars faire la cultiver quelque chose avant. Mais maintenant, tout l'eau que vous voyez les coques là, tous sont morts à cause de l'eau salée. Donc, on a peur de l'avenir de Tassner. On pense que Tassner, il n'y a pas d'avenir. Pour moi, l'avenir, on croit à un dic qui passe par Saint-Louis, qui va venir peut-être avec l'eau douce, qui viendra peut-être, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas encore venu. Peut-être ça viendra, quand il viendra, on va peut-être, la culture va s'améliorer un peu, Inch'Allah. En attendant, on veut toujours rester ici en famille, solidaire. Et nous y resterons, Inch'Allah. Donc, fini ñu bis légui mom moy fi ma ñu bis ci Djelamba mom moy sama cœur moy quartier Doun Babou Dié mais légui jamono tollu am nañu yaakar pour bu ëllëgé bu ñu défaraté falé ñu mën fa déllu parce que ma ngi def demande ben pont sax
pomba bu fa amaté ba enclavement bi dañ damay del wat falé parce que fofu la sama ressource uppé parce que fi limay fay am lamay am falé ko uppé.